Hey hey, salut toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Bullet Journal avec le Plan With Me du mois de septembre. Et pour ce mois-ci, j'ai décidé de faire un thème sur les petits chatons parce que j'adore les petits chats, j'adore tous les félins. Alors je le dis à chaque fois, mais je suis pas une experte en dessin, loin de là, je dessine comme une enfant de 3 ans, je me suis aidée de petits dessins que j'ai pu trouver sur internet, donc c'est pas génial, mais j'ai fait ce que j'ai pu, voilà. Et ce mois-ci, comme à chaque fois, c'est encore une fois un thème très minimaliste. Il n'y a vraiment pas beaucoup de détails, même pas du tout. J'ai fait vraiment très 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 simplement. Voilà. Alors j'ai commencé à faire mon petit bujo quand j'étais en vacances. Et puis bah finalement je l'ai terminé chez moi parce que j'avais pas eu le temps de le terminer. Bref, on s'en fiche complètement. Et cette fois-ci, contrairement aux autres mois, j'ai décidé de laisser tout en noir et blanc pour changer un petit peu. Et puis bah voilà, donc c'est parti. On commence tout de suite avec la présentation du mois de septembre et mon petit chat qui joue avec une pelote de laine. Je préfère préciser parce que je sais pas si on reconnaît vraiment. Et avec la pelote de laine, j'ai écrit le mot de mois de septembre. Alors maintenant, j'ai décidé que les mois ne respecteront plus les thèmes qui sont associés. Normalement, le septembre, c'est le mois de la rentrée, mais moi, j'ai pas voulu faire un thème comme ça, je voulais faire un thème sur les chats. Et pareil pour les autres mois, c'est pas parce que c'est le mois d'octobre que je vais faire un thème Halloween. Ah, quoique, c'était prévu. Moi, j'ai dit une connerie. Bon, c'est pas grave. À part pour le mois d'octobre et le mois de décembre, où je pense que je vais respecter les thèmes, mais pour les autres mois, j'ai décidé de faire ce que j'ai envie et ce qui me plaît. Voilà. Enfin bref, d'ici là, on en reparlera, on verra bien. Hein. Seul l'avenir le dira. Et comme d'habitude, une petite citation juste à côté. Si rien n'est prévu, alors tout est possible. Sur la page suivante, eh bien, on retrouve le calendrier et les trackers. Rien ne change jusqu'ici. Et du coup, on entame la première semaine qui commence par un dimanche. Donc du coup, il n'y avait qu'une seule journée sur cette semaine-là. Du coup, eh bien, j'ai pu mettre la to-do list et les objectifs que j'ai pas pu mettre en dessous du calendrier parce qu'il n'y avait plus assez de place. Et juste à côté, vu que j'avais une page vierge, eh bien, j'ai dessiné un petit chat. Hein, j'ai galéré à dessiner ce petit chat et du coup, bah, il a un côté un peu méchant. Il n'a pas un regard très très gentil. Et les autres semaines, eh bien... Vous allez bien voir, c'est vraiment basique de chez basique, il n'y a rien du tout. C'est vraiment au plus simple, mais au moins je suis sûre que ça sera lisible. Jusqu'à la dernière semaine, où pareil, ça se termine un lundi. Donc du coup, bah, il n'y avait qu'un seul jour sur ma double page. Alors j'en ai profité pour ajouter encore une fois une citation. Le temps passé avec un chat n'est jamais perdu. Et à côté, un grand petit chat tout mignon, tout gentil. Il a un air un peu plus sympathique que le premier, celui-là.
Et donc voilà, j'en ai fini pour le mois de septembre. Donc c'est vraiment très simple, très basique, mais c'est ce qui me plaît, donc voilà, c'est le principal. J'espère que cette vidéo t'aura plu, t'aura aidé, t'aura inspiré. N'hésite pas à me dire ce que toi tu as fait, de me montrer ton résultat sur les réseaux sociaux. Encore une fois, je le répète, mais je suis complètement novice et je suis pas du tout une experte. Alors voilà. Donc soyez indulgents et ça sert à rien de critiquer à tout va. Moi je fais comme j'ai envie et si ça me plaît, c'est l'essentiel. Et si je fais des vidéos, c'est simplement pour partager et pas pour je ne sais quoi. Bref, on s'en fiche. Là, je m'éloigne du sujet. On s'en fout complètement. Du coup, bah voilà, j'en ai fini avec cette vidéo. Du coup, je te fais tout plein de gros poutous et je te retrouve très très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye!